Bonjour, alors pour le repas de ce midi, ça va être très simple, vous allez voir. D'abord, les ingrédients. Alors, 3 carottes, des pommes de terre, du poulet, 2 oignons, du sel, du poivre ici, du romarin séché et de l'huile. Comme nous cuisinons, et en plus nous sommes en période d'épidémie et de quarantaine, première chose très très importante, laver les mains. Laver les mains avec du savon. Voilà. Et nous sommes prêts. Les ustensiles, alors une planche à découper, un économe. Un couteau, un saladier, une plaque pour le four et du papier à cuisson. D'abord, je vais préparer le plat principal. Donc, on y va. Laver les pommes de terre. Éplucher les pommes de terre. Découper les pommes de terre. Préchauffer le four à, on va mettre 210 degrés. Mettez les pommes de terre dans le saladier. Vous ajoutez de l'huile, un petit peu d'huile et du sel, du poivre et du romarin. Et vous mélangez. Mettez le poulet dans le plat. Ajoutez de l'huile. Pas trop, hein. Voilà, mélangez. Plutôt enduisez le poulet d'huile. Ajoutez du sel. Du poivre. Et encore une fois, mélanger un peu. Découper un oignon. Ajouter l'oignon dans les pommes de terre. Voilà, maintenant, ajouter les pommes de terre au poulet. Alors, vous étalez bien. Voilà. Mettez le plat au four. Alors pendant 40-45 minutes. Alors lavez les carottes. Découpez en fines lamelles. Voilà, comme ça. Et vous avez des bâtonnets de carottes. Mettez les carottes dans une assiette. Alors c'est pour les enfants, hein. Les enfants aiment beaucoup ça. Voilà. Et votre entrée apéritif est prêt. C'est prêt. Éteignez le four. Sortez du four. C'est parfait. Miam, miam. Bon appétit. J'avais oublié le dessert. Donc pour le dessert, une pomme ou... Une banane. Bon appétit.